Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr, pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. C'est qui tous ces gens? Biya oublie que son micro est allumé et dit des énormités dans la salle. Paul Biya, 89 ans, sa femme Chantal Biya et une délégation camerounaise se trouvent aux États-Unis pour parler du développement durable. En présence d'autres sommités venus pour le même événement, Paul Biya s'est cru au palais de l'unité à Etoudi, où tout est bien ficelé à l'avance, pour qu'aucune bévue du plus vieux président en exercice au monde ne soit perçue par les invités seulement. Cette fois-ci, le micro de Paul Biya était déjà allumé lorsqu'il a été lancé par le présentateur pour venir s'adresser aux personnes présentes ainsi qu'à ceux et celles qui sont restés à la maison pour suivre le déroulement du sommet à la télévision et sur les réseaux sociaux. Paul Biya est bien apparu sur le podium, toujours avec beaucoup de difficultés à marcher et à être lucide. Mais encore, il a posé quelques questions dérangeantes à celui qu'on présente comme son protocole. Paul Biya a souffert à Washington. Il arrive avec douleur à l'estrade, à présent lui dit qu'il doit parler debout. Avant de se relever, le vieux a d'abord bien insulté les Américains là dans sa tête, écrit le journaliste camerounais exilé Boris Bertolt, qui a eu la vidéo du moment très gênant et surtout humiliant. Son compatriote lanceur d'alerte Louis Manteau est également tombé sur les images et les a commentées. Paul Biya humilie le Cameroun et l'Afrique à Washington. Le plus vieux président fonction au monde, dans son état légumineux, a éprouvé toutes les difficultés de l'univers pour se tenir sur ses jambes. Son petit